Bon, voilà, je crois qu'on va profiter pour faire un premier petit bilan, même si il n'y a eu que 1500 km, mais bon, c'est toujours. Enfin, je suis toujours dans le camping-car. Bah, jusque-là, c'est parfait, mis à part la panne de l'alternateur. Tout le reste, tout a été parfait. Sauf que là, bah, c'est vrai que avec le confinement, bah, c'est pas super évident. Alors c'est sûr, hein, voilà, il est là. Hein. Le cadre, il est super agréable, c'est super joli. Mais j'aime bien être tout seul. Mais là, je pense que c'est un peu trop là. C'est un peu trop et ça commence à devenir très 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 pesant. Alors vivre tout seul, ça me dérange pas. Ça, je sais que voilà, il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas. Mais c'est plus cette psychologiquement se sentir confiné, obligé de ne pas bouger. Mais je bouge un petit peu. Je change d'air de camping-car, même si j'ai des autorisations. Sur des aires où il n'y a pas de soucis, où la municipale est au courant et tout. Franchement, moi je remercie les mairies qui nous acceptent comme ça parce que c'est super gentil. Voilà, j'ai téléphoné, je laisse mon numéro d'immatriculation et tout. Il n'y a aucun problème, ils sont entièrement d'accord. Une fois que c'est le temps du confinement, il n'y a pas de soucis. Il suffit de prendre le temps d'expliquer les choses et de pas attendre que les choses viennent à nous non plus. Si vous attendez que la gendarmerie vienne à vous, déjà. Mais si vous allez déjà vers eux, que ce soit la gendarmerie, la municipale ou même la mairie, vous avez déjà fait un pas avant qu'ils viennent vers vous et déjà, ça passe un peu mieux. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis. Là, j'étais sur une aire de camping-car qui est pas très très loin, où il y a l'eau gratuite, l'électricité gratuite aussi. L'électricité, j'en ai pas forcément besoin. L'eau, ben, si j'ai besoin de faire le plein, j'y retournerai faire le plein. Mais il y a une route, c'est passager un petit peu. Et après, voilà. Et puis le cadre est sympathique. Mais alors là, ici, il est encore mieux. Parce que voilà, c'est vraiment en pleine nature. Mais voilà. Donc le confinement a pas que du bon, hein, ça c'est sûr, hein, sur de nombreuses personnes. C'est vraiment anti-humain de ne voir personne, de rester enfermé et tout. Alors il y a des personnes qui sont fragiles, point de vue santé, et là ça se comprend tout à fait. Même les personnes âgées et tout, mais c'est vrai qu'il y a un lien social à discuter avec quelqu'un, à voir autre chose, à bouger, à sortir. Et là, vous vous rendez compte, on est obligé de mettre notre masque pour aller se balader en pleine nature. Ici, là, je suis un délinquant, là, j'ai pas de masque. Voilà. Mais enfin, je vois pas l'intérêt de mettre un masque là où je suis. Après, voilà, il y a des sentiers, peut-être que je le prendrai, mais. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. La chaîne, elle est plus faite pour ça maintenant. C'est vrai qu'à un moment, j'aurais bien été encore rebelle. Ça aurait pu être le cas à une certaine époque, mais maintenant, ça s'est dépassé. Voilà, c'est que du partage. Et donc bah, là-dessus, voilà. Gros point négatif, bah c'est le confinement, parce que c'est vrai que ça joue sur le moral. Et voilà, mais ça va, hein, je vis bien. Voilà, je prends le temps, je range le camping-car. Je range le camping-car, j'améliore, j'optimise. Le solaire, donc
Point de vue solaire. Le panneau, il produit correctement. C'est parfait. Même si j'avais l'impression que l'équipement que j'avais sur... Le premier camping-car était peut-être pas plus performant, mais ma consommation pas pareille, bien que là, je pense que j'ai exactement la même consommation. Alors j'arrête là parce qu'en fait, du coup, ce que je suis en train de dire, j'ai trouvé ma réponse un peu plus tard. Et bah, faut le savoir que le régulateur, donc sur le toit, j'ai le panneau solaire et là il y a le régulateur. Et lui, on le règle en fonction de la batterie que l'on a. Moi, ma batterie, vous savez, c'est une lithium fer phosphate et du coup, c'est un chargement un petit peu spécifique qui n'est pas le même que mes batteries gel. Et donc du coup, ça envoie beaucoup moins d'ampérage. Donc je me suis rendu compte de ça via l'application qu'un ami avait sur son téléphone aussi, la même application. Et lui avait une batterie gel avec réglage batterie gel. Et moi j'avais mon réglage de batterie lithium fer phosphate LiFePO 4. Et du coup, proportionnellement, sur la même quantité d'énergie reçue, bah, lui avait beaucoup plus d'ampérage. Donc à confirmer. Je vais essayer de contacter Adrien de chez MyShop Solaire afin d'être sûr de ce truc-là. Mais voilà, c'est beaucoup moins d'ampérage qui sont redonnés à la batterie. C'est une charge beaucoup plus longue. Alors la batterie, pareil, elle a un BMS, donc elle a un logiciel interne qui bride aussi la charge pour éviter de recevoir vraiment trop d'ampérage. Donc voilà, il faut que je trouve ces réponses-là, mais je préfère couper la vidéo à ce moment-là et vous expliquer ce que j'ai compris depuis. Mais la production, je dirais, va peut-être un peu changer. Alors j'essaye de faire attention où je me gare, qu'il n'y ait pas d'arbres, des trucs comme ça. Là, je vais bouger un petit peu après pour... Même s'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, mais afin d'avoir tout le soleil, parce que ben, là, il est là. Voilà, il va passer ici, comme ça. Donc là, je vais être caché avec les arbres. Donc voilà, je vais faire attention à des trucs comme ça. Mais là, ça fait quelques jours où j'ai pas réussi à recharger à fond la batterie lithium. Donc elle, la batterie lithium, bah, c'est pareil. Alors là, elle est quasiment pleine, elle est à 80%. Donc là, c'est le matin. Hein, Hop, là, actuellement, il est 10h, donc elle est en train de charger. Mais le soir, elle est quasiment complète. Quasiment, j'arrive pas à la charger vraiment complètement, mais elle est quasiment complète. Le dernier cycle de charge est un peu plus lent, on va dire. Mais j'en suis content. J'en suis content, il n'y a pas de souci. Alors, elle est confinée. Hein. Je vais aller vous la montrer. Elle est vraiment... dans un endroit très restreint où il n'y a pas de circulation d'air ni quoi que ce soit. Donc avec l'application Bluetooth, je vois sa température et je sais qu'elle ne bouge pas du tout en niveau température. Elle reste à la température de la soute. Hop, vous voyez, elle est là. Voilà. Et donc vous voyez, ouais, 80%. Donc ça, j'en suis super content. Alors tous ceux qui disent que ça doit être ventilé et tout, non, 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 ça ne chauffe pas du tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, j'en suis content. Donc à voir dans le temps, hein, toujours pareil. Je ne vais pas vous dire que c'est un super bon produit qu'il faut l'acheter. Pour l'instant, j'en suis satisfait. Et voilà, je pense que dans 6 mois, passé l'hiver, je pourrais vous dire que oui, c'est un bon produit ou non, c'est faut passer son chemin. Alors ensuite, ben si j'ai un autre petit souci, voilà, ça y est, j'ai mis mes petits crochets. J'ai même pas encore testé, mais je viens juste de les mettre. Hop. Voilà. Hop. Et ouais, ça va aller. C'est bon. Ok. Ça va être cool, ça. Ça va être super cool. Voilà. Donc je vais pouvoir étendre mon linge ici.
Tranquille. Donc oui, j'ai un petit souci qui est là-bas. Alors je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer de prendre la lumière. Et donc voilà, si vous avez un camping-car comme ça, ben je sais pas si on le voit, mais regardez toutes les gouttelettes qu'il y a en haut. Donc j'ai énormément de condensation. Donc là, j'avais déjà repeint avec un truc spécifique. J'attends une autre peinture. J'attends une autre peinture. Et puis je vais pouvoir réisoler ça correctement. Ouais, du coup, ça va être l'occasion de tester. Oh, non, c'est vrai, je l'ai rangée. Elle est là. Hop. Voilà, la lunchbox. Donc, la lunchbox, c'est quoi? C'est une boîte qui se branche, hop, soit au 220 volts, soit en allume-cigare. Donc là, on va le tester en allume-cigare. Alors, elle est toute neuve. Je vais la laver. Et puis, bah pour faire original, on va se prendre une conserve. Allez, des raviolis. Voilà. Bon, j'ai pas d'appareil de mesure de chauffe ni quoi que ce soit. Hein, mais je suis pas branché, je suis pas dans le jardin d'une maison. Hein, je sais pas si on va voir, mais. Ouais, on va voir, je ferai une vidéo demain, mais il y a une rivière qui est juste là. Bref, hop, du coup on va brancher ça en 12 volts. J'ai une prise allume-cigare juste ici, qui est là-bas à droite. Je vais laver ça, et puis on va voir ce que ça donne, et puis je vais essayer de voir aussi niveau consommation électrique. Là, actuellement, j'ai le chauffage qui tourne. Parce que oui, ça fait du bien d'avoir un petit peu le chauffage qui tourne aussi le soir. Hop, régulateur. Bon, là, je produis rien. Ce qui est normal, il fait noir. Vous voyez, ben, c'est pas évident à recharger actuellement. Et on consomme, on consomme, on consomme. Donc ça, c'est le Smart Shunt. Alors c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai. Comme il est déjà connecté sur mon téléphone avec lequel je filme, je vais le déconnecter. Je vais laver le truc et je vous reprends ensuite. Hop, voilà. Donc, je vais essayer de pas trop bouger. On peut voir que on a 99% de batterie, donc sur la batterie lithium. Actuellement, on consomme 7 watts, 8 watts, soit 0,5 ampères, on va dire. Donc là, on le voit là. Et sachant qu'il y a ces deux lumières-là qui tournent, donc ça, c'est du LED, et le chauffage actuellement qui tourne. Dehors, il fait noir, hein. J'ai pas fermé les rideaux, mais voilà, on voit très bien qu'il fait noir. Donc, je vais la brancher. Hop là, évidemment. Voilà, je m'arrange à ce qu'on voit bien les chiffres. Et puis le voyant, peut-être. Voilà, donc je vais la brancher. Hop là. Voilà. Du coup, paf, c'est branché, c'est allumé. Donc là, on était à 0,5 et on passe à 2,18. Donc 1,5 ampères que ça tire actuellement. Et puis, je vais vider la boîte de ravioli dedans. C'est pas terrible, mais donc voilà, il est 19h26
Je vais étaler correctement les raviolis. Donc là, c'est une dose pour une personne, mais ça permet de voir combien de temps ça va mettre pour chauffer et puis combien ça tire en même temps en énergie pour avoir un avis. Voilà. Bon, allez, je vous reprends ensuite. Donc là, on est passé à 4 ampères 80. Donc presque 4 ampères que ça tire. Donc ça a pas l'air chaud chaud à dire. Ça chauffe, ça c'est sûr. Je le sens que ça chauffe quand même. Hop. Donc là, on est presque à 60 watts. Donc le chauffage, il consomme quasi rien et l'éclairage non plus, hein. Je vais éteindre l'éclairage. Là, on est à 57 watts, on va dire 59, 57. Et vous voyez, là, on passe à 56, 57. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Et le chauffage, c'est pareil, hein. Ça tire vraiment très très peu d'énergie. Donc on va dire que ça tire environ 50 watts. Alors je sais plus si c'était écrit dessus. Je vais essayer de regarder en dessous de la boîte. Voilà. 40 watts, ça dit. Watts, mais pour moi, ça tient un petit peu plus que 40 watts. Pour moi, on doit être à 45, presque 50 watts. Bon, du coup, bah, je vous reprends une fois que ce sera peut-être assez chaud et je vous dis combien on a consommé. Mais effectivement, ça a l'air de consommer un peu quand même, hein. Mais bon, ça reste correct. Et si c'est juste un quart d'heure, 20 minutes le temps de se faire chauffer son plat, ça chauffe à l'énergie solaire. Donc, ça peut être un bon compromis, hein. Ça peut éviter d'utiliser du gaz. Donc, à mon avis, sur le 220, ça doit mieux fonctionner. Mais voilà. Alors après, ça passe. Il y a le couvercle qui se met dessus. Ce sera peut-être mieux pour garder la chaleur. On va appuyer sur la petite soupape qui fait évacuer quand même. Voilà. Donc c'est pas mal, il y a eu la petite cuillère, bon après c'est du gadget, hein, mais bah, ça peut être vraiment pas mal pour si vous voulez pas vous embêter. Donc là je sens que c'est chaud quand même en dessous, mais ça peut être un bon compromis. Alors après si vous avez une batterie de 80 ampères et que vous faites ça le soir, j'en dis rien, mais enfin... Faire plutôt ça le midi si vous voulez, ou alors faut avoir une, moi c'est une batterie lithium de 120 ampères, donc je sais qu'elle va tenir, mais voilà, mais en ce moment on a peu de soleil, hein. On a vraiment très peu de soleil, donc c'est vrai que c'est pas évident à recharger. Enfin bref, allez, je vous reprends après. Là il est actuellement 19h30. Hop, donc il est 46. Donc ça fait 20 minutes. Alors au fond ça doit être chaud. Mais ouais. Donc à mon avis si c'est bien, mais le faire en journée. Le faire en journée parce que si vous faites ça le soir quand il n'y a pas de soleil, si vous avez peu de batterie, peu de réserve en énergie en batterie auxiliaire, à mon avis vous allez vite vider votre batterie pour vous faire chauffer un plat et ce sera pas équitable. Vaut mieux allumer le gaz que ça. Et donc la consommation électrique n'a pas bougé, je suis resté à 4 et demi on va dire de consommation, 4,5 ampères. Donc à mon avis ça consomme 50 watts en 12 volts environ, mais ouais, là elle est encore branchée. Hop, je l'ai remis. Voilà, on est à 4 ampères.
un peu moins de 4 ampères. Donc je vais essayer de la débrancher pour voir. Tac. On revient, vous voyez, à la valeur qu'on avait au début. Hop, je la rebranche. Donc voilà, donc ouais, c'est pas mal, mais à mon avis, il faut faire ça le midi, en plein soleil. Au moins, vous êtes sûr de recharger votre batterie après. Alors, je m'arrête encore une fois dans le montage. Je dis que c'est mieux de le faire le midi. Alors, c'est surtout en période d'hiver, bien sûr. Et c'est suivant votre réserve d'énergie aussi. Alors là, on peut voir que moi, j'ai baissé que d'1%. Mais faut prévoir aussi sur les jours à venir, suivant la météo. S'il prévoit beau temps, et ben vous savez que vous allez pouvoir recharger votre batterie. Mais par contre, s'il prévoit une semaine de temps assez gris, voilà, la batterie, je pense qu'il faut savoir éviter de la solliciter de trop aussi par ces temps où la charge est pas incertaine, mais voilà, c'est vraiment en fonction de la météo. Donc, à mon avis, printemps, été, au début d'automne, c'est pas mal. Mais alors, par contre, en période d'hiver, faut vraiment avoir du beau soleil. Et puis, que votre batterie soit bien. Mais oui, ça peut dépanner. Ça peut être un bon compromis. Je vous mets le lien dans la description parce que oui, ça peut être pas mal. Après, si vous faites ça le soir et que vous avez une batterie et que vous mettez votre convertisseur après pour faire de l'ordinateur, du montage ou je sais pas trop quoi. À mon avis, non, ce sera pas simple. Mais voilà. Mais en même temps, vous avez la prise 220. Donc, si vous êtes branché sur le courant, ça peut être pas mal. Bon, allez, je vais essayer de remuer tout ça, de manger ça. Là, ça fait 20, un peu plus de 22, ouais, ça fait 22 minutes. Donc, je vais tester et puis je vous redirai ça après. Bon, voilà, c'est mangé. Du coup, je l'ai déjà lavé. Du coup, 22 minutes, on va dire que 30 minutes, ça doit être pas mal. 30 minutes à, on va dire, 5 ampères presque. Donc voilà, à vous de calculer, mais c'est suivant votre réserve de batterie. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être un bon compromis. Mais je pense que je continuerai à le faire comme ça, mais plus le midi ou en journée en tout cas. Et sur des petites conserves, hein, parce que là c'était une petite de ravioli, je l'ai mise à la poubelle. Non, elle est là. Donc vous voyez par rapport à ma main, voilà, c'est pour une personne. Donc pour deux personnes, à mon avis, il faudra prévoir encore un peu plus de temps. Donc là, par contre, là, ce ne sera pas pour deux personnes. Je ne pense pas du tout que ce soit rentable d'acheter ça. Mais ouais, si c'est pour une personne et que vous avez de la batterie, que vous mangez, vous avez envie de manger ça le jour, et ben il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai d'autres conserves, et ben je testerai ça du coup à la suite et je vous en dirai plus dans les semaines et dans les mois à venir. Bon, voilà, on bouge un peu, on profite pour vidanger. Donc là, on est sur une aire, celle-ci est payante, mais là où j'étais, où je vous ai fait la vidéo d'avant, il y a une aire qui est gratuite. Enfin, le remplissage d'eau est gratuit, donc voilà, j'ai profité. Ouais, vous voyez, j'ai le trop-plein qui coule encore. Et voilà. Donc ouais, c'est pas parce que j'utilise des produits, des savons bio que je vidange n'importe où. Je trouve ça un petit peu dégueulasse de montrer qu'on peut vidanger. Voilà, c'est juste une question de. Peu vidanger, il y a pas mal d'endroits qui sont prévus pour, qui se trouvent facilement. Et vidanger, c'est gratuit, donc voilà. Et même si l'air est payante, bien souvent, il y a 30 minutes offertes pour le temps de remplir son réservoir d'eau et de vidanger. Donc voilà. Allez, je me gare. Et puis je vais aller chercher la voiture qui est garée dans le village. Et puis aller faire quelques courses cet après-midi. Bon, on est quelques jours plus tard là. 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Enfin bref, il y a des fois, j'ai pas envie de faire de vidéo. Là, celle-ci, je l'avais commencé. Puis plus envie de continuer.
Du coup, j'ai réussi à recharger hier complètement. J'ai roulé un petit peu en plus pour changer d'endroit. Je pensais que voilà, changer d'endroit allait me faire du bien, mais non, l'endroit où j'étais était magnifique, mais ça me suffisait pas. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'autre chose, et donc finalement, c'est de bouger un petit peu en voiture aussi qui me fait du bien, d'aller faire les magasins. Là, j'ai acheté des bricoles. Je vais vous montrer ça ensuite. Donc là, hier, voilà, j'ai réussi à recharger la batterie à fond. Et puis bah là, là, on a un beau soleil actuellement. Enfin voilà, ça tape bien le soleil. Et ça recharge bien aussi. J'en ai profité pour mettre en charge la brosse à dents électrique qui est juste là, l'enceinte Bluetooth et aussi la trottinette qui est posée juste là dans le coin. J'ai acheté de l'isolant comme ça pour refaire ma condensation que j'ai là-bas. Donc c'est encore humide, je le vois. C'est un petit peu embêtant ce souci-là. Donc voilà, j'attends aussi une cartouche de Rubson, une sorte de peinture isolante que je vais remettre par-dessus. Il va falloir que je sèche ça correctement. Donc je vais mettre de la peinture isolante. Et je vais mettre de la néoprène et du double face. Et je vais faire des découpes de ça pour mettre des bandes. Donc je vais aller faire des gabarits à l'extérieur par rapport à la casquette sur l'extérieur. Et puis je viendrai le coller à l'intérieur du coup. Une fois que ce sera bien sec et bien séché. Bien sec et bien séché. Waouh! ouais, bah vous m'avez compris quoi. Bah là, je suis en train de finir d'améliorer la salle de bain avec le tapis, les petits supports. Voilà. Tout ce qu'il faut bien. J'ai mis les barres. J'ai pas encore fini. Il va falloir que je rebouche ce trou-là aussi. J'attendais de voir ce que ça donne. Ça condense plus même avec ça. Donc voilà, ça marche super bien. Et je vais pouvoir reboucher correctement. Je vais isoler phoniquement le chauffage chinois qui est en dessous. Je vais essayer de faire un support isolant pour la pompette, pour vraiment gagner quelques décibels au niveau bruit là-dessus. C'est pas gênant, mais bon, voilà, je me dis que autant rien faire. J'ai tous les matériaux chez moi, ça va juste me prendre du temps. Enfin, chez moi. De mise à disposition, dispatché chez mes parents et chez d'autres personnes. Donc voilà. Je vais faire mon petit support d'ordinateur aussi. Je vais essayer de voir pour faire un truc démontable. Ce serait bien avec des petits écrous papillons. Ce serait impeccable. Donc il va falloir que je mesure avec l'ouverture du placard. Mais voilà, ça ferait ça avec le support là. Et puis ben l'ordinateur et quand vous êtes là, ben, c'est impeccable. Je sais pas si je vais, je vais pas le bloquer comme ça. Enfin bref. Ouais, ça, on va pas voir ce que ça donne. Mais ouais, ce serait pas mal. Je pense que ce serait pas mal. Bon, et ben voilà. Enfin, il y a du boulot. Du coup, je m'y mets. Pareil, j'ai acheté un petit vérin. J'ai vu que ceux-là, les petites charnières compas, là, elles tiennent plus. En fait, ils redescendent. Donc, je pense que je vais mettre un petit compas là dans le bord là. Et puis, au moins, ça le tiendra. C'est pareil, j'ai fait ça, je sais plus si j'en ai parlé en vidéo, j'ai fait ça. Alors c'est pas de la super qualité, j'ai trouvé ça sur internet. Mais bon, j'ai mis un coup de sèche-cheveux en allant voir mes filles. Du coup j'ai mis un coup de sèche-cheveux dessus et ça tient bien mieux. Donc je vais le laisser. Alors j'ai craqué à ce niveau-là, je sais pas si. Ouais, on le voit. On voit que ça fait des plis. Enfin bref. Mais donc j'ai un autre rouleau et puis bah, je vais peut-être continuer la suite des placards là. Mais là, avec un rouleau, j'en ai fait trois et là-bas, j'en ai quatre. Donc, je pense que je vais peut-être pas avoir assez. Mais ça rend assez bien avec le snow. On reste sur des couleurs un petit peu bleutées, vertes. Donc, ça me va. Allez. Bah, écoutez, je vais pas vous dire. Hein, vous faites ce que vous voulez. Vous désabonnez, vous vous abonnez, vous mettez des pouces, pas de pouces. On s'en. Hein, je fais pas. J'arrive à 40 ans et je fais pas des vidéos pour avoir des petits pouces. Hein. Je crois qu'on a passé l'âge. C'est vraiment une question de partage, d'idées. Vous voyez là un petit support d'ordinateur. Et ben, je vais essayer de bricoler ça. Et puis, donc, forcément, en roulant, il n'y aura pas l'ordinateur dessus.
Mais voilà, une fois posé, ben, ça peut être pas mal. Et puis ben, pour pas trop cher, parce que là, il y en a pour 11 balles. Cette barre-là, je ne sais même plus. Ça, je ne sais même plus. Et ça, je ne sais même plus. Mais je crois que avec ça et l'ardoise, j'en ai eu pour 40 balles. Donc on va dire qu'il y en a pour moins de 20 euros là-dessus. Parce que ça coûtait assez cher, les petits vérins comme ça. Et puis l'ardoise aussi, c'était 15 euros. Donc voilà, pour moins de 20 euros, eh ben, on peut se faire un petit support d'ordinateur au plafond et je pense que ça va être impeccable. J'ai acheté du coup hop, un support comme ça. Du coup, lui va me servir à mettre comme ceci au plafond. Donc ici, voilà, ce sera le plafond. Et puis à rallonger ces barres-là pour pouvoir y poser le clavier et puis que ce soit de manière à essayer de l'incliner un petit peu. Donc en fait, hop, ça va être ça là. Du coup, ça va venir comme ceci. Voilà. Donc là, forcément, ça va pas tenir. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose de similaire un petit peu à ça. Donc niveau écartement, on va être bon. Après, je vais voir si je peux y fixer, faire des supports sur. Voilà, sur mon support qui est ventilé, qui lui va servir sûrement d'accroche avec des riselants. Et comme ça, après, il ne pourra plus glisser avec ces butoirs-là. Donc ça pourrait être pas mal. Hop, pour rallonger ça, bah, j'ai trouvé du tube en 16-18. C'est bien ça, 16-18. Qui glisse. Hop. Le poil là-dedans, donc il va être coupé à la bonne longueur du clavier. Voilà, si je peux mettre ça comme ça, voilà. Du coup, voilà. Donc, il va être coupé sûrement par ici. Laisser un petit peu de marge quand même. Je vais y mettre un coude comme ceci. Donc, il va falloir que je fasse mes deux longueurs comme ça, et puis le retour comme ça pour jonctionner l'ensemble et du coup voilà, ça va me faire un beau petit support à ordinateur comme ça au lit. Et ben, il n'y a plus besoin d'avoir la télé ni quoi que ce soit. De toute façon, il n'y avait pas la télé, mais s'il y a besoin de regarder soit une vidéo sur YouTube, un truc qui est pas mal, et puis en même temps on peut mettre le son hop sur l'enceinte qui est là, et donc se retrouver avec un truc bien sympa. J'ai hésité à y acheter un vidéoprojecteur, mais ça fait encore ça en plus. Et je me suis dit, mince, enfin, rajouter un vidéoprojecteur, il faut rajouter un écran, il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela. Que là, bah, ça m'a coûté pas si cher que ça. Hein. J'ai dû en avoir pour ça 11 euros et quelques. J'irai rechercher les tickets, ça doit être dans le coffre de la voiture. Je les ai gardés parce qu'en confinement. Faut justifier de ses achats, même si c'était pas de grande nécessité, mais bon, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Enfin voilà, bon, je vais m'y mettre et puis bah, je vous reprends ensuite. Bon voilà, alors ça a été super vite, hein. Franchement ça va vraiment très très vite. Alors après peut-être que je vais percer un trou ici et pour y mettre une vis. Et puis ici, ici et ici et ici pour y mettre des rivets afin que ça tienne ou le faire braser. Peut-être que j'irai voir mes parents pour, enfin mon père pour qu'il me le brase. Mais voilà ce que ça donne. Et du coup, ben, hop, je vais prendre l'ordinateur correctement quand même, pas faire de bêtises. Ça c'est bon, donc voilà, voilà ce que ça va donner. Et puis bah, je vais essayer de mettre un peu plus d'angle ici pour que ce soit un peu mieux. Et du coup, ça va être parfait. Ça va vraiment être parfait, ça, ce truc-là.
Des fois, il n'y a pas besoin d'investir dans du matos très cher. Donc là, je vais essayer de lui rajouter un petit peu d'angle. Ah, ça va être nickel. Ça va être nickel. Et du coup, j'ai ça aussi que je vais mettre tout autour. Et puis, on va essayer d'y fixer le support. Quelques riselants peut-être pour que ça tienne correctement. Voilà. Il va falloir que j'y mette des riselants, mais au moins ça va tenir. Et du coup, mon support ventilé qui est là. Maintenant, lui, on va essayer de lui trouver un bon endroit pour le poser. Et le fixer correctement, et au moins l'ordinateur il bougera plus et il sera bien fixé avec ça, et ce sera une affaire qui roule. Bon, ben je pense que ça, il me reste plus grand chose à faire, et il me reste plus grand chose à faire. Ben non, c'est même quasiment fini, et du coup je vais pouvoir passer à l'isolation du chauffage. Bon bah voilà ce que ça donne. Ça me paraît pas tout mal. Donc faut que je remplace les deux vis qui sont en haut, que je mette juste deux petites tiges filetées qui ressortent avec des écrous papillons pour que ce soit démontable. Bien que ça gêne pas trop pour aller au lit, mais à voir. À voir, je préférais que ce soit démontable. Après le bas il se déboîte. Enfin voilà, il n'y a rien de collé, il n'y a rien de. Donc je me dis que ça peut aussi rester comme ça. À voir si je me prends dedans ou pas assez souvent. Mais ouais, à voir dans le temps. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça et puis à surveiller. Voilà pour ça, ça c'est fait. Bon, du coup, pour mon support d'ordinateur que j'ai mis au plafond, j'ai acheté des petits inserts comme ça. Et donc il y a un filetage à l'intérieur. Je vais pouvoir mettre ces vis-là. Et du coup, hop, je vais pouvoir glisser les vis. Ici, je vais percer au diamètre 10. C'est le diamètre qui est indiqué sur là-dessus. Hein. Tac, tac, tac. Vous voyez, hop. Donc c'est du M6, 12 mm de profondeur. Et donc ça s'appelle manchon à visser. Et voilà comment ça se présente. Donc je vais percer dans la planche et puis je vais intégrer ça avec un tournevis plat. On voit hein, qu'il y a une fente pour le visser dedans. Et comme ça, je vais pouvoir faire ça démontable et le retirer, le remettre quand je veux. Bon, voilà, je suis en train d'isoler la partie de la casquette. Donc pour l'instant, j'ai fait ça avec de la néoprène, mais j'en ai pas assez, donc j'ai mis du double face aussi. Je me suis acheté un décapeur thermique. Donc comme j'ai tout acheté en Ryobi, et ben j'ai acheté un décapeur Ryobi aussi pour sécher, pour retirer le maximum de condensation qu'il y avait. Là on voit il y a encore des gouttes en haut là, je vais aller les essuyer tout de suite. Et puis après je mets ma néoprène pour que ça sèche. Elle est où la néoprène? Elle est là, voilà. Et puis, mais j'en ai pas assez, donc voilà. Donc, on va essayer de rentabiliser ça au mieux pour faire les plus grandes parties. Et après, j'ai de la colle comme ça en tube. On verra ce que ça donne.
Pourtant, ce matin, il y a eu une bonne petite gelée. Enfin, ça a déjà dégelé, mais c'était vraiment bien gelé. Et il y avait 20 degrés dans le camping-car avec le chauffage au minimum. Donc ça, c'est déjà bien. Donc pour régler mon souci de condensation, eh ben, j'ai passé une petite corde. Donc la corde, elle fait ça, elle va là, là, et elle repasse, elle refait tout l'intérieur dedans. Et ça marche parce que je l'ai vu de l'autre côté. Hop. Alors ici, l'eau, elle coulait. Elle coulait vraiment tout le long. Donc là, je vais couper ici. Vous voyez, je sais pas si on voit, mais... Enfin bref, je vais couper ici et puis je vais faire un nœud. Et au moins, bah, ça ferait une solution temporaire le temps que je retrouve une solution d'isoler, de refaire un caisson complètement en bois et de l'isoler, aussi. Donc voilà. Donc bah, là, je vais couper ça, je vais faire un nœud. Et je pense que voilà, en attendant, ce sera la meilleure des solutions pour éviter que toute l'humidité reparte là-dedans. Et en fait, ça coule et ça va là-dedans. Donc là déjà, ça fera évacuation. Le problème de condensation est presque résolu. J'en ai encore un petit peu, mais je pense qu'en refaisant un caisson isolé à l'intérieur, et ben ça va résoudre le problème complètement. Hop, bon, on va déballer ce panneau. Donc l'avantage, c'est que lui, il se met à l'extérieur sur pied. Hop. Ça prend pas beaucoup de place. Alors peut-être que le rendement, il sera peut-être pas optimum. Parce que ça reste du 100 watts mono, mais bien orienté. On va pouvoir compléter la perte d'un panneau non orientable qui est sur le toit. Hop, impeccable. Il y avait une housse avec, elle est peut-être dedans. Elle est peut-être dedans. On va l'ouvrir. Hop. D'accord. Ah ouais, c'est bon. Alors déjà vous voyez. Et bien, il va falloir resserrer tout ça. Bon. Alors, on va faire l'essayage. Bon, c'est bon, j'ai tout rangé, les tournevis et tout ça. Bon, on va refaire le point sur tous les serrages et tout. Et puis on va pouvoir brancher ça dehors. Donc il y a une notice qui est livrée avec. Est-ce qu'il y a du français? Il n'y a pas de français. C'est écrit en anglais. Bon, on verra ça. Mais bon, déjà, il faut que je resserre ça. Et puis ensuite, je vais aller installer ça dehors. Bon, du coup, là, on est vraiment quelques semaines après. Actuellement, on est le 19 décembre. Donc, bah, le panneau solaire, je vais trouver sa place. Hein, il est rangé ici. Là, je suis en train de finir ce montage là, du coup il y a un petit peu de soleil, je vais mettre le panneau solaire parce que là j'ai mis à recharger aussi la trottinette électrique qui est juste là. Là je suis en bord de mer en Normandie actuellement, je suis du côté de Caen, je suis remonté dans le Pas-de-Calais aussi, je devais aller en Belgique mais je l'ai pas fait. Je vous expliquerai peut-être tout ça dans la prochaine vidéo. Là je vais vous montrer l'installation du panneau solaire et puis je vous reprends après.
Donc voilà, et je repasse les câbles ici et je les mets sur la batterie du coup. Donc voilà pour cette vidéo, je vais arrêter là. Le panneau solaire, alors il est en complément, ça suffit, c'est vraiment stationnaire. Là vous voyez, je suis en train de faire le montage et c'est surtout la trottinette qui tire énorme. Juste avec le convertisseur d'allumé et l'ordinateur et le temps qu'il fait dehors, ça s'équilibre, j'ai pas de consommation, donc voilà, je suis vraiment pile poil, mais là avec la trottinette ça fait vraiment ça fait vraiment beaucoup. Donc le temps à venir est incertain, du coup je préfère bah voilà, il est là l'autre panneau, donc je le mets en place, il est là pour ça. Ça, j'en ai pas reparlé, mais voilà, donc c'est démontable. C'est parfait, franchement ça tient super bien. Hop, vous voyez. Voilà. Donc franchement c'est parfait. Ça se plie, l'ensemble est sous le lit, donc vraiment plié. Du coup, à l'usage c'est pas mal. J'ai déjà maté un film, c'est bien pratique. Je vais voir, là je me suis acheté une manette pour faire un petit peu de jeu aussi, donc on verra ce que ça donne. Et actuellement je devais être en Belgique, donc j'ai annulé mon passage en Belgique. Alors je suis désolé pour les trois amis que je devais aller voir, mais voilà, je crois que ça va être trop le bazar de passer la frontière et je préfère jouer la sécurité. J'ai dit à mes filles que j'allais être là à Noël, donc voilà, je serai là à Noël avec elles. Et puis bah, la Belgique, on verra ça plus tard, hein. Je reviendrai plus tard. Du coup, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je ferai un retour complet encore de tout ça. La caméra de recul, franchement, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Faut que je trouve un petit relais. Parce que j'aimerais bien la brancher sur ma marche arrière quand même. Mais faut que si je le branche sur ma marche arrière, faut que moi si je l'allume aussi à l'intérieur, faut pas que je renvoie du courant dans mon feu stop, de mon ampoule de recul, pardon. Du coup, il faut un petit relais qui renvoie le courant dans un sens et qui ne le renvoie pas dans l'autre. Donc voilà, j'avais vu ça avec Phil de la chaîne Phil et Fab. Et du coup, voilà, quand j'aurai le temps, bah, je commanderai ça et je prendrai le temps de poser ça. Mais là, on est en période d'hiver. Franchement, j'ai vraiment pas envie de bricoler dehors. J'ai recommandé un chauffage chinois aussi, j'ai recommandé une pompette. Je vous promets une prochaine vidéo normalement qui devrait être aussi intéressante, alors peut-être pas la prochaine mais encore celle d'après, où on parlera sur le chauffage. Et et voilà, je vous en dis pas plus parce que je ne sais pas où ça va me mener moi-même, donc on verra bien, à suivre. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Allez, salut.